Quelques 3 ans après leur départ du Royaume-Uni pour les États-Unis, le prince Harry, 38 ans, et son épouse Meghan, 42 ans, ne sont plus présentés comme HRH ou Royal Highness, Altesse Royale, sur le site web de la famille royale britannique. Le couple princier avait déjà renoncé volontairement à ce titre au printemps 2020. Toutefois, le site web du Palais Royal continuait d'utiliser ces titres. Les services du palais font valoir que le site web contient plus de 5,000 pages d'informations sur la vie et l'œuvre de la famille royale britannique. À la suite du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, le contenu a été régulièrement revu et mis à jour. Cependant, certains contenus peuvent être obsolètes jusqu'à ce que ce processus soit achevé, écrit à ce propos le Télégraphe en citant un communiqué. Des ajustements ont également eu lieu pour le roi Charles III, qui était toujours décrit sur le site web comme le prince de Galles, son titre officiel quand il était l'héritier du trône. Ce titre revient désormais à son fils aîné, le prince William.